Voilà ce pauvre ici, tu vas voir son vrai visage. Jamba Girandou, toujours costaud. Ok, salut, c'est Billy Billy, depuis Ouassakara. Si tu aimes me voir, c'est là, Afrojit. Bon, là on est pas en groupe, on est ensemble. Ah, bon, non, non. Il a grossi, yo, ça joue en grossi. Adéa, choba, choba. Changement. Politique d'immigration maîtrisée. C'est la seule phrase qui est valable à l'hégémonie dans tout discours de Mogoni là. On est là, c'est gâté. C'est pantant sur le vingé. C'est comme s'il pleuvait dehors. Aucun négro ne veut mettre son gros nez dehors. Est-ce que tu vas me croire? A qui a ziqué ses coiffées d'un? Quand la montagne est dans le plus bouché d'un? Au vieux le midi, il dit ça fait sa cousine. Ton premier opus Nescafé African Révélation n'a pas eu un grand succès. Comment tu t'es renoncé après cet échec? Frappe à toutes les portes. Ah, je frappe à toutes les portes. Grâce à Dieu, je suis tombé à la meilleure porte. Je pense que tu penses que j'ai bien dans la banque. Mm-hmm. D'accord. Bah, justement, 6 ans après, tu viens avec Nouvelle du Pays, ouais. Qui fut un carton. Comment tu as vécu ce succès? Avec beaucoup de fierté, bon, je vois un peu, j'ai vu ça un peu comme une motivation. Puis bon, voilà, une motivation, ça m'a permis de me concentrer sur ce que je fais. Parce que je me suis dit, si les gens adoptent le premier album, c'est quelque part, il y a quelque chose de positif dedans. Mm-hmm. Donc j'ai commencé à barrer, comme on le dit au ghetto, bon, j'ai commencé à travailler dur pour maintenir le niveau. Quoi. C'est comme ça, step by step, on va sortir de la voie. Tu cartes aussi. Tu cartes aussi. Ok. Donc là maintenant t'es avec BD en Russie. Avec réunion de famille. Réunion de famille. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet? Ok, réunion de famille, c'est un album, c'est dans la même veine que l'autre album. Mais sauf que ça c'est un peu plus corsé, un peu plus au niveau de la musique, au niveau de plusieurs choses. Les thèmes sont un peu plus africains. Voilà, je suis resté dans la même logique. Voilà, assez engagé, assez direct dans mes propos, assez brut. Mm-hmm. Voilà, donc si ça plaît aujourd'hui, c'est tant mieux. Quoi. Quel regard portes-tu sur la musique ivoirienne ou sur le rap ivoirien? Sur la musique ivoirienne poursuit son chemin. Voilà, aujourd'hui, les artistes ivoiriens sont les artistes les plus écoutés d'Afrique. Hein. Voilà, avec les Diké, les Zoukoumen, aujourd'hui Billy Billy. Ouais, donc je pense que la musique ivoirienne évolue. Quoi. Donc, évolue ici, Magic System continue de glaner encore des trophées. Voilà, donc, je pense que la musique ivoirienne évolue. La musique ivoirienne évolue. Bon. C'est tant mieux pour nous. Quoi. Voilà. C'est ton premier séjour en France? Non, non. Pas ton premier séjour. Quel est le but de ton séjour? Ah, je viens pour business. C'est-à-dire que voilà. Pour le show d'ici? Non, pas que pour le show, pour business, puis je viens en promo. En promo, voilà, quelle mesure, voilà, on peut imposer l'album ici. Donc on est en promo de proximité. En France et dans toute l'Europe? En France et dans toute l'Europe, ouais. Voilà. On est en promo de proximité d'abord. Après, on visera maintenant. Tu as des shows prévus dans les autres pays d'Europe? Ouais, pas mal. Ouais. En Italie, en Suisse, dans beaucoup de pays. En Italie, en Suisse, on peut te retrouver. Ouais. Ok. Allo à Ouassakara, mon fils il dort dans le village. C'est quand il fait nuit à Abidjan, on voit qui dort dans la maison. La Côte d'Ivoire qualifiée pour la CAN 2010. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ça, Didier Drogba, toi qui as fait une chanson sur lui? C'est une fierté. Voilà, quand on fait un, on en fait un deux, c'est un peu comme moi. Mmh.
Donc l'essentiel c'est pas trop de se qualifier, mais l'essentiel c'est de ne pas faire de la figuration. Voilà, voilà quelle mesure redorer le blason du pays au maximum quoi. Donc ça fait plaisir, je vois que c'est sur le drapeau du pays qui flotte dans le monde entier. Donc c'est une fierté, nous c'est ça notre objectif, faire flotter au maximum le drapeau du pays. Voilà, donc ça fait plaisir. Pronostic pour la CAN 2010. Qui continue? Qui gagne pour toi? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ouais. Sûr? Ouais, sûr. Parce que contre l'Égypte, hein? Ouais, là, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Voilà, je pense que cette année, c'est la bonne. C'est la bonne. Voilà. Ok. Ahmed Malikien, même les amis, on ne sait jamais de la vie. Depuis à qui je m'en parlais, on ne sait jamais. Viens, on peut se voir. J'ai des cas au premier point. Qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année? Moi je crois pas au Père Noël. Tout le monde en train de guetter, on croit pas au Père Noël. Je n'ai jamais vu le Père Noël. On n'existe pas pour nous, c'est le rêve. Quel est le pire featuring que l'on pourrait t'offrir à Noël? Le pire featuring est... Moi et Michael Jackson. Quel est le meilleur featuring qu'on pourrait t'offrir? Billy Billy Kerry James. Avec quelle star féminine aimerais-tu passer ton Noël? Une star féminine avec eux. Mary J. Blige. J'adore. Les Américaines. Ouais. Quel est le pire cadeau qu'on t'a offert à Noël? J'ai jamais eu de cadeau, je sais pas ce qu'on peut. T'as jamais eu de cadeau. Et pour finir, à quoi ressemble ton Noël idéal? Comment? À quoi ressemble ton Noël idéal? C'est que je t'ai dit que je ne sais pas c'est quoi Noël. Voilà. Ah, tu ne connais pas Noël. On ne connaît pas Noël. Abidjan... On entend parler, mais c'est des choses. On n'a pas vécu ça. Nous... C'est toi, tu n'as pas Noël, vécu ou Noël, bien à Abidjan? Noël, c'est comme tous les jours de la semaine pour nous. Voilà, parce que ce qu'on mange le lundi, ce qu'on mange tous les jours, quotidiennement, c'est ce qu'on mange le jour de Noël. Il n'y a pas de différence. L'habit qu'on porte quotidiennement, c'est ce qu'on porte le jour de Noël. Donc Noël, à Ouassakara, nous. Je suis vraiment pleuté, mais j'ai remercié. Ok. Franchement, je n'avais jamais vu depuis les 5 euros. Merci, mon frère. T'es cool, quoi, je te jure. Il s'appelle Issouf. Il est un frère. Tu penses à un frère black? C'est important. En plein Paris, dans ce foie, ça, je te dis. Hein. Tu veux quel morceau? Ma copine. Ali, ok, nous tout ça, ça lui met là. Ali, on dit quelle voiture qui n'a pas garé ici? Qui ici? C'est le conseil qu'il y a là. C'est le conseil qu'il y a là, le maman, il y a là, le chien. Tabou! Le conseil qu'il y a là, c'est le lieu de famille, c'est contre les politiciens. On dit, moi, il parle pas, moi, c'est un politique. C'est que moi, il voit ce que moi, j'ai dit. Nous, on a marché sur le port, ils ont tiré sur nous. On va pas bulle, on va pas sur nous. Moi, aujourd'hui, on n'arrive pas à voir les toits et pas les jeux. On a dit, premier quoi dans le salon. On va pas descendre. Si au complexe, là-bas, là, non, tout autorisé. La gueule, Dieu. Allo, à Ouassakala, mon fils, il dort dans le village. La gueule, Dieu.